coincé. Et il revient et ça. Oh les bâtards. J'ai plus d'armes. Bon allez, on va changer de jeu. Tout à l'heure on a joué à Hector sur PS2, ça marche toujours, c'était très très drôle. Alors... Même avec la lumière ça va non? Ah non, c'est que vous me voyez peut-être plus. Là, la fin bruit chelou là. Ah non, c'est bon. J'ai pas essuyé le CD avant. Ah, un petit plantage, un petit plantage, c'est ça. Le rétro gaming. On s'en lasse pas. Alors vous voyez, au niveau des couleurs avant c'était top. Et là, on perd un petit peu de rouge et de bleu et de vert. Pour qui, pourquoi? Il va peut-être falloir que je l'essuie. J'ai ce qu'il faut vraiment à côté. Ouais, à mon avis, il y a un petit problème. Bon après, il y a d'autres jeux. Il y en a qui, ou deux qui passent pas. Un jet pour essayer. Donc ouais, la PS1, quelle machine quand même. On y rejoint la PS2 aussi. Mon premier lecteur CD, je crois que c'était la PS1. Moi j'ai peut-être une chaîne IFI, hein, mais je suis pas sûr. Pas fait un bruit chelou là. Faudrait que je nettoie ma lentille aussi parce que la vidéo 3D des fois elle a du mal. Je vous l'avais dit que ça marcherait. Allez, confiance. Petite lingette magique. Petite lingette magique. Un jeu qui marche. Oula, pandaille. En fait, en reculant un petit peu, vous gagnez un peu de couleur, mais vous avez l'écran qui claque, 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 qui saute un peu plus. Parce que là, on voit même pas que... Là, c'était boubou, en fait. Ouf. C'était pas ouf d'avoir ça dans sa console. Mais... Les potes sont. Ah, je vais rapprocher un peu parce que vous voyez ça. C'est... Ah, une intro qui fait rêver en tout cas.